Un gars que je trouve très drôle, ça fait des années que je suis sa carrière, mais je le vois des fois, une, deux fois par année. Heureusement, il est ici avec nous ce soir au festival Juste pour rire. On accueille François Léveillé! Ouais! Oh, oh! Je suis en vacances. C'est du monde en vacances? Oui! Sans chute? Ouais, je suis en vacances. L'autre jour, je m'en vais au garage, toi. Ben ouais, je travaille dans le garage. J'arrive dans le bureau. Je bosse sur du ben. On est en période de réception. Je te remercie de tes services. Puis dis, voyons, boss, ça me fait plaisir. Il dit, désormais, ton poste est en vacances. Je suis en vacances. Ça fait deux ans, là. Hey, j'ai pas le temps de partir en vacances, là. Oui, ma femme a été malade. Il a fallu aller voir deux docteurs et un médecin pour savoir ce qu'il y avait. D'habitude, tu sais, ma femme, elle se fait soigner, tu sais, par elle, le gars qui soigne avec des coupons, là, coupons. On voit le premier médecin, le médecin l'examine comme faux. Il dit, madame, et tu penses que vous avez de la misère avec votre colon? T'es-tu insulté, tu penses, toi? Il dit, on va en voir un autre. On va voir le deuxième médecin. Il l'examine bien comme faux. Il a fait passer un test d'urine. Pff, en passant ça de même, lui. Là, il a vu que ma femme était comme dépressive. Là. Fait qu'il a donné de l'hélium pour la remonter. Finalement, c'est quand on est allé voir le docteur qu'on a trouvé ce qu'il y avait. Un soir, on était assis, en train de tuper, m'emmener, bang, elle tombe en bas de sa chaise. Toi, l'ambulance rentre à l'urgence. Ma femme est allergique aux lapins du Québec, toi. Rien pas de ça, oui. Tout de suite, quand tu l'as vu, il dit, madame, il dit, c'est le lapin du site. Ouais, alors, finalement, on est allé en vacances dans le sud, c'est mon beau-frère. Mon beau-frère nous a invités à passer les fêtes à Noël, mais à Brossard, là. Hey, on a passé à guignoler d'un bord d'un brasserie de la Rive-Sud, toi. Ça a été un succès, bref. Hey, le premier soir, là, on est à plein de mon char, oui. Non, non, mais dans ce temps-là, je fais toujours attention, je me fie aux lignes blanches. Sauf que l'hiver, les lignes sont larges en tabarnak. Fait que je m'en allais, gauche-droite, droite-gauche, gauche-droite, droite-gauche. Je m'en allais, regarde dans le miroir, il y avait un arbre de Noël qui me suivait. Je ralentis, je me tasse un peu sur le bord. Je regarde encore dans le miroir, c'était rendu à sirène au nez rouge. Oh boy. Là, la calotte à moustache arrive sur le bord de la porte. Je pensais que c'était un arbre de Noël qui me suivait. Mais ça a l'air que c'était rien qu'une partie de la crèche, le bœuf. Là, il me dit, ça tombe bien, mon petit Christ, c'est celui que j'attendais. Là, j'ai pas trop compris. Pour moi, il voulait organiser un party parce qu'il m'a fait souffler des ballons. Je les ai toutes pétées. Il m'a amené devant le juge, puis le juge me dit, un an de vacances. Fait que je suis en vacances.